comment tu pourrais évaluer, par exemple, une personne qui vient de lancer un blog, ouais. Est-ce qu'au départ, ça serait intéressant de faire un article peut-être tous les deux semaines ou un article par mois? Est-ce ouais. que c'est jugé bien, quoi, ça, est-ce que ça peut être bien pour un futur développement? Après, essayer de réduire le temps, évidemment, avec l'expérience, passer de un mois à maintenant deux semaines, ensuite venir à une semaine et être plus régulier. Moi, je recommande de jamais descendre en dessous d'une publication par semaine, parce que après, ça devient un peu trop distant, en fait, tu vois. Une fois par semaine minimum. D'accord. Et quand je dis publication, c'est du contenu, ça peut être de la vidéo, de l'audio, du texte, tu vois, c'est pas forcément que des articles. D'accord. Ça peut même être une infographie, si tu veux, mais il faut que ça soit du contenu. Ok, et c'est, ça c'est minimum, hein. Tu d'accord. peux faire plus si tu veux. D'accord. Ouais. Mais jamais descendre en dessous d'un par semaine, ouais. C'est la base. D'accord. Et ensuite, tu peux me dire brièvement les différentes étapes que tu fais, par exemple, quand tu écris un article, après comment tu fais pour avoir des lecteurs qui viennent voir ton blog? Ah bah en gros, il faut que tu en parles partout, quoi. Hein. Tu partages ça sur Facebook, Instagram, Twitter, tout ce que tu veux. Tu as des outils qui permettent d'automatiser, en tout cas, d'avoir un énorme effet de levier dessus. Et ensuite, tu as les articles invités. Finalement, la meilleure promo, c'est de faire du bon contenu. Tu vois, à la base, les gens qui vont tomber dessus, ils vont en parler. Fais aussi en sorte que ça soit optimisé au niveau SEO interne pour te positionner sur certains mots-clés qui ont du trafic, etc., etc. Et au niveau pub, tu dépenses beaucoup d'argent? J'ai pas démarré par la pub. Je suis vraiment quelqu'un qui se focalise sur le trafic organique, donc gratuit. Par contre, j'en fais un peu aujourd'hui puisque j'ai du budget. Le retargeting, ça fonctionne extrêmement bien. Là, j'expérimente un peu avec la pub Facebook et tout ça. Mais l'essentiel de mes leads et de mes ventes viennent du trafic gratuit. D'accord. Et souvent, les blogs, ils commencent à générer un peu d'argent à partir de quelques... Alors, ça prend du temps. Hein. C'est l'inconvénient, c'est que ça prend grosso modo une bonne année pour arriver à la vitesse de croisière. Mais après, c'est un truc qui te ramène des prospects, des clients tous les jours pendant les années à venir. Quoi. Bah ouais, c'est clair. Moi, j'ai des articles que j'ai écrits il y a 10 ans qui, encore aujourd'hui, me ramènent… C'est des actifs, exactement. Ouais. Si tu calcules ton temps de travail… Hein. Oui, bah écoute, sur mon blog « Des livres pour changer de vie », la première année, j'ai calculé précisément. Et avec la lecture des livres et la chronique, j'étais à peu près à une dizaine d'heures par semaine. Déjà pas mal. Bah oui, c'est clair. Bah, c'est l'investissement, hein, c'est sûr. Ouais. Parce que nous, on se lance, surtout moi, je commence, je connais rien du tout là-dessus. Donc, j'essaie d'avoir et d'essayer d'optimiser à peu près, parce que si je veux faire d'autres business à côté, j'essaie de trouver un petit tremplin pour pouvoir gérer, jongler les deux, en fait. Teste et tu verras. Il y en a qui mettent 10 heures à écrire un article, d'autres 2 heures. Plus tu vas avoir l'habitude et moins tu vas passer de temps, en fait.